Hello! Bienvenue à Dynamic Game for Delcomte! Comment ça va les loulous? Eh ben ouais, on va brouter le gazon cet été, hein, parce que cet été, il y a d'actualité. Oui, mais il n'y a pas que le foot. Non, non, le foot, c'est pour plus tard. Donc, l'actualité, deux petites sorties, hein, parce que ça fait 6 ans qu'on n'a pas un jeu de tennis, donc dans le jeu vidéo, on fait pas les choses à moitié. Un premier, Tennis World Tour, qui est en train de tourner ici. Très beau jeu. Et puis un deuxième, hein, parce que bon, bah, ils se sont dit il faudrait de la concurrence, donc un petit international tennis aussi. Donc c'est sorti également sur les Xbox One, hein, donc pas de soucis. Ça sort bientôt sur Switch. La Switch, un petit peu la bourre encore. Hein ? Donc, prêt pour un petit jeu de tennis ? Allez. Oh, c'est ça une boîte ? Non, c'est pas bien. On démarre le Tour de France. Eh ouais, arrivée de la première étape. Donc bim, petit Tour de France, vous connaissez quoi. C'est ce truc qui passe avec une caravane, t'attends 7 heures et puis hop, t'as une casquette ridicule que tu porteras jamais. Puis t'es content, hein, parce qu'après tu vois les vélos, hop, ça dure 3 secondes, hop, t'as rien vu. Tu rentres chez toi, c'est formidable, t'as la casquette qui va bien et un super porte-clé d'une marque d'aspirateur. Hein, c'est formidable. Et bon, on a fait des jeux, nous, et ça marche plutôt pas mal. Donc on a le jeu qui sort d'ici un petit mois. Donc ça, c'était l'avant-dernier. On va voir. Et dedans, il y aura Fontenay de modélisé. Mais le gros événement, bien sûr, hein, cette année, c'est lequel? La Coupe du Monde de football. Ah oui, il y a une petite mise à jour gratuite sur FIFA. Donc la petite mise à jour pour pouvoir jouer à la Coupe du Monde de Russie. Ouais, bon, magnifique. Hein, voilà, quoi. Ah, certains diront, ils chantent pas la Marseillaise. Nous, les rugbyman, non, j'ai rien contre les rugbyman, arrêtez, c'est pas vrai. C'est eux qui se moquent tout le temps des footeux. Faut bien qu'il y ait un mec qui défende le foot contre le rugby. Je m'y aille. En même temps, j'ai Kanté. N'Golo Kanté récupère les ballons, c'est une pieuvre, mais alors devant le but, c'est pas ça, c'est pas le truc. C'est un peu comme moi, sauf que le côté pieuvre en moi, quoi. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, quoi. Eh ouais, il y en a partout. Alors, comment dire, pour présenter la petite boutique Dynamic Games, si je devais dire deux mots, rangement. Oh, voilà. Moi, j'avais pas envie d'avoir un Apple Store, quoi. Bim, dans une vitrine, t'as un truc avec la petite lumière à la mode dessus. Une vue disgluche, là, tous ces mecs, là. Hein, non, merci, quoi. Mais faut pas oublier qu'il y a de ça, à peu près, justement, 15 ans, j'étais aussi, moi, un joueur. Et qu'est-ce que j'aimais bien ? Rentrer dans une boutique où je fouillais. Et quand enfin tu trouvais ton produit, au milieu de la marasse de tous les produits, t'étais fou de joie, tu sentais que tu le méritais, il y avait quelque chose de personnel. Donc, bienvenue dans ce qu'appellent souvent les gens, rentrant, une petite caverne d'Ali Baba. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, à un moment donné, je me suis dit, mince, il n'y a plus de place. Donc il a fallu creuser, quoi. Donc on creuse. Donc, il y a des secteurs. Il y a des secteurs Star Wars dans le plafond. Il y a des secteurs Final Fantasy dans le plafond. Donc on a creusé, donc le faux plafond, je pense qu'un jour il sera complètement parti, hein, on va trouver une autre idée. Hein. Parce que je l'aime bien cet endroit, et j'ai pas envie d'en changer. Et surtout pas, on m'a dit. Les moments que j'aime le mieux dans mon magasin, c'est quand je rentre de vacances, et que j'ouvre cette porte. Quand je rentre dans ce tantre, et que je vois que c'est bondé comme il n'y a pas, et que c'est beau comme il n'y a pas, enfin comme moi j'aime, mon bazar, à moi, eh ben je me rappelle du gars d'il y a 20 ans qui aurait rêvé d'avoir un magasin de jeux vidéo, et j'oublie pas tous les jours la chance que j'ai de me lever le matin pour un métier que j'aime, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des choses. Si. Tous les matins, je me lève, je bosse dans un domaine que j'adore. Le meilleur moment, ouvrir un carton qui arrive. Et quand vous ouvrez votre carton, et qu'à l'intérieur, mystère, un produit dérivé que vous n'avez jamais vu, c'est le bonheur de tout geek, comme on dit maintenant. Même si moi, je ne suis pas un geek, j'aime pas trop ce terme. Je préfère dire passionné, parce qu'avant tout, c'est une passion. Souvent. Voilà, mon petit Luan, eh ben, quand il vient ici, il me dit, mais oui, mais... il y a plein de trucs, mais on peut pas les choper. Alors, tu as envie de réclamer, parce que tu aimerais bien tout voir. Et c'est vrai qu'il y en a partout. Il y en a partout. Donc, ouais. S'il y en a qui sont mis au moment des inventaires, ça peut être sympa aussi, quoi. Parce que... eh ouais. Il y a des petits coins. Eh ouais. Ce coin-là, d'ailleurs, il est pas mal. Parce que de mon comptoir, on le voit pas. On va me dire, qu'est-ce que tu as peur, lui, d'y trouver des voleurs? Ah non, non, non. Ce que je trouve souvent ici, ça s'appelle une race exemplaire. Les stagiaires. Les stagiaires adorent ranger ce petit coin. Car un petit coin bien caché du patron, égale tranquillité. Et quand en plus on a un portable, alors là, on y va gaiement. Hein. Eh ouais, ouais, ouais. Parce qu'avant tout, c'est une passion. Eh ouais. Il y a quand même un grand moment dans le vélo. C'est quand tu quand t'as eu que des trucs de merde, que tu sais qu'ils te servent à rien, et qu'enfin on te balance du cochonou. Avoue, t'es content là. Là, t'es content d'avoir du cochonou. Bon, ça te fait un petit truc à manger, parce que le liquide vaisselle, généralement, t'en fous un petit peu. Ta mère est ravie, quoi. Eh ouais.
C'est cool. On va s'y habituer à force. Tu vas me manquer quand tu partiras, Fabrice. Peut-être que tu vas peut-être pas jamais partir. Parce qu'ici, je te l'ai dit, des pompes funèbres. C'était des pompes funèbres ici avant. Eh ouais. Le problème de beaucoup de joueurs, ça, c'est toujours la manette qui marche pas. Quand ils y arrivent pas. Eh ouais. Bon, une vue disgluche, une vue disgluche. Eh ben sur ce bon moment, les amis, il ne reste plus qu'à éteindre tranquillement. Eh ben oui, faut bien fermer au bout d'un moment de la journée. On aime ce qu'on fait, mais on va fermer quand même. Mais au fait, attends, avant de fermer complètement, j'avais pas un stagiaire moi aujourd'hui quoi. Attendez, je l'ai envoyé ranger les jeux PS2. Oh merde. Je crois bien que le stagiaire est décédé. Eh ouais. Parce qu'avant tout, c'est une passion.